Ce matin, Diabolofit35 et ses amis ont découvert un œuf étrange au sein de l'aéroport. Un autre fait étrange s'est aussi passé puisque le dôme de verre a totalement disparu de l'aéroport et que celui-ci semble aussi être retourné dans le passé. Mais surtout, que contient cet œuf? Peut-être l'un des pires ennemis que la famille Diabolofit35 n'ait jamais vu. Les abonnés, ce matin, nous nous sommes réveillés et nous avons découvert cet œuf au milieu de l'aéroport. Nous ne savons absolument pas ce qu'il contient et en plus de ça, il est totalement incassable. Oui, oui, nous avons essayé de le casser. Bon, c'est pas top d'avoir essayé de faire ça, mais voilà, on a essayé parce qu'on s'est dit, bah attends, c'est un peu bizarre quand même. Et puis, étant donné que nous sommes en guerre contre les monstres préhistoriques, ça pourrait très bien être un de leurs petits cadeaux pour essayer de nous piéger. L'autre chose très étrange que nous avons constaté, voilà, quand nous nous sommes réveillés ce matin, c'est la disparition du dôme de verre. Souvenez-vous, dans les précédents épisodes, voilà, nous avions un dôme de verre gigantesque qui s'était posé sur l'aéroport. Un dôme de verre qui était totalement incassable, à part avec des explosions de TNT. Non mais Booba, comment est-ce que t'es habillé? Je me demandais c'était qui, mais en fait c'est toi, what the fuck. Ah oui. C'est vraiment trop bizarre. J'ai ça, je dis rien. Ouais, vas-y, dis-moi, Jérôme. Ça fait 2 ans que t'as les mêmes habits. Ah, c'est vrai que ça fait même 9 ans que j'ai les mêmes habits, je crois. C'est vrai que c'est un petit peu hardcore. Bon bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui les abonnés. Ce que l'on va faire tout de suite, dès maintenant, c'est que déjà on va aller vérifier si le dôme il est vraiment enlevé de partout. Mais il y a quelqu'un qui va rester à côté de l'œuf, voilà, pour le surveiller. Parce que au cas où, voilà, si cet œuf venait à éclore, voilà, s'il commence à éclore, eh bien il faudra que quelqu'un soit à côté pour nous prévenir. Donc voilà, on va lui filer un talkie-walkie et il va nous prévenir automatiquement dès que l'œuf, voilà, eh bien il a commencé à éclore. Du coup, qui est chaud pour rester à côté de l'œuf pendant qu'on va faire un petit check rapide de voir si le dôme de verre il est vraiment enlevé de partout? Non, je suis en congé. Alors toi t'as pas trop envie, Koba? Booba, non, personne a envie là? Non, moi je peux pas, faut que j'aille te racheter des habits. Wow, on va vraiment devoir faire un tirage au sort. On va vraiment devoir faire un tirage au sort là. Bon, ok, on va faire un tirage au sort, attendez 2 secondes. Le tirage au sort est prêt, vous devez choisir un nombre entre 1 et 5. Voilà, donnez-moi tous un nombre entre 1 et 5. Enfin un chiffre du coup. Qui prend... Bah non. Bah non mais vous êtes débile ou quoi? Je suis avec les gens les plus débiles de cette planète. Je vous dis entre 1 et 5, ça va de 1 à 5, c'est pas 6 ou 7. C'est de 1 à 5. 3, ok, toi t'as 3. Ok. Pourquoi ça compte pas? 3, bah si, du coup il a choisi 3, il reste encore le 1, 2, 4 et 5. Donc, le 1, ok, Jérôme, ok. Toi c'est. Toi tu le combien, Booba? Le 5. Le 5, ok, toi Koba, il reste le 2 et le 4. 4 alors. Ok, et du coup le temps question ce sera le 2. Alors du coup le 1 c'était Jérôme, ouais. C'est un papier blanc, ok. Le 2 c'était eh bien je sais plus c'était qui le 2. C'était moi, c'est moi. C'était toi, eh bien c'est un papier blanc, du coup ce n'est pas à toi. Le 3 c'était qui? C'était voisin Valentin, non? Eh bien désolé, c'est toi qui chope le bloc rouge. Ah. Du coup tu verras simplement sur la vidéo, mais je n'ai pas triché ni rien. Voilà, c'est vraiment j'ai fait de 1 à 5. Bon bah du coup, tu vas rester, voilà, voisin Valentin à côté de l'œuf. T'inquiète pas, ça va être un check très rapide. Nous, on va juste vraiment aller voir à l'extérieur de l'aéroport et peut-être dans le métro aussi pour aller voir si justement ça s'est bien arrêté, etc. Donc voilà. Bon bref, tous ceux qui me suivent là pour aller vérifier, vous venez? Vous venez? Let's go, on y va, on va déjà aller checker dans le métro, voir, parce que souvenez-vous, dans le métro, en gros, eh bien, on pouvait pas continuer plus loin, parce qu'il y avait le dôme de verre qui était posé, du coup, voilà. Ok, let's go, on va aller voir, du coup, du côté du métro. Ok, alors, abonne-toi ou un pistou possédé viendra chez toi la nuit. What the fuck? Bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, voilà, abonnez-vous, c'est le temps de le faire dès maintenant, sinon, voilà, il y a un pistou possédé qui va venir, eh bien, voilà, chez vous la nuit. Ah, le chétan. Donc voilà, c'est un petit peu hardcore, mais bon, c'est comme ça. En plus, c'est vraiment tout bénef, parce que voilà, déjà de 1, t'auras pas le pistou, c'est quoi déjà le pistou, je sais pas quoi, qui viendra chez toi. Voilà, le pistou qui viendra chez toi. En 2, eh bien, tu ne verras plus mes prochaines vidéos. Et en 3, tu pourras dire à tes amis, voilà, moi j'étais là avant le million Diabolo, j'étais là, je faisais partie des vrais, de la vraie team zombie. Donc voilà, ça fait plaisir. Bref, du coup, let's go checker dans le métro déjà si le dôme de verre a disparu. J'espère vraiment que le dôme de verre a disparu. Ou jure. T'es sérieux là? Ouais, ça donne pas trop envie. Hein. Waouh, non mais c'est hardcore. Bah super, génial. Bon, let's go. On va checker du coup. Ok, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est vraiment bon. Regardez, il y a plus de limite en vert.
Ok, ok, bon, on va aller faire un check rapide à l'extérieur, et puis sinon ça confirmera vraiment eh bien, qu'il n'y a plus de dôme de verre. En tout cas, incroyable, je sais absolument pas. C'est vraiment chelou, on dirait qu'il y a des distorsions temporelles en ce moment sur notre monde. C'est vraiment trop bizarre. En tout cas, le fait que le dôme se soit enlevé, c'est vraiment pas une mauvaise nouvelle. Franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va les revérifier, mais normalement, c'est bon. Du coup, c'est vraiment carrément une bonne nouvelle en vrai de vrai. Parce que le dôme, c'était quand même assez contraignant. Bon, peut-être qu'en fait, ça nous protégeait des monstres. Je sais pas ce qu'il faut en penser. Mais quoi? Quoi? Mais voisin Valentin! Wesh! Mais il s'est endormi! Mais voisin Valentin, t'es sérieux? En plus, tu dormais la tête contre le sol! Non mais, il est où l'œuf? Il est éclos? Voisin Valentin, explique-toi là! Je me suis endormi, j'étais trop fatigué! Ouah, mais t'es sérieux? Mais le temps qu'on aille au métro! Oh, j'ai trop le seum! Oh là 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 là! J'ai pas les passer! Pas bien! Bah écoutez, ce qu'on va faire. J'ai retrouvé l'œuf! Koba et le... t'as retrouvé l'œuf? Il est où? Ouais, il est sur ton crâne, c'est un crâne d'œuf. Oh là là. Bref, on passe sur cette blague. Je crois, simplement, en plus là, normalement, putain, ça fait... C'est relou, on va être poli, c'est relou. Mais du coup, en plus, voisin Valentin et Koba, vous devez repartir sur le front de guerre, là, pour aller affronter les monstres préhistoriques aujourd'hui. Ouais, vas-y, oui, c'est ça. Aïe, ok. Bon, ça veut dire que vous allez partir, on va être plus que... Waouh, on est plus que moi, lieutenant Christian, du coup, Booba. On est plus que nous trois à l'aéroport avec quelque chose qui a éclos. Et on sait même pas ce qui a éclos. Waouh. Bon, vous y allez quand même, parce que je pense que c'est important que voilà, vous soyez sur le front. Mais nous, on va tenter de régler le problème. Restez quand même au Tokiwalki avec nous, pas mal quand même. Parce qu'on sait jamais, enfin en tout cas, si je t'appelle ou quoi, restez bien, enfin restez attentifs. Parce que si jamais, voilà, c'est choses qui se passent ici, je pense qu'on fera, rappel à vous, ok? Parce que là, on sait vraiment pas ce que c'est. Mais j'ai pas envie de rester non plus qu'à 3 ici. Après, il y a le temps Christian, ça va, mais il y a Booba. Et Booba, il fait beaucoup de bêtises. Bref, du coup, bon courage en tout cas pour le front, pour vous deux. Et nous, on va tenter de retrouver un petit peu ce qui a éclos. Si ça a éclos, ça se trouve, ça a juste disparu, je sais pas. On verra ça. Bon, bref, en tout cas, bon courage pour le front. Et puis, à plus tard. Allez, bon courage à vous. Vas-y, à plus tard. Allez, viens. Bon, les abonnés, nous allons rester à l'aéroport. Ah, mais non, il y a Jérôme aussi qui reste avec nous. Ça, c'est cool. Ok, on est 4. En vrai, ça devrait le faire à 4. Ça devrait être cool. Qu'est-ce qu'il y a, Koba? Pourquoi tu reviens? Je me suis trompé de sortie. Vous êtes trompé, ok. Du coup, nous, ce qu'on va faire, lieutenant Christian, Jérôme, Booba, vous venez tous ici au centre. Le fait que le voisin Valentin se soit endormi, du coup, ça veut dire que peut-être potentiellement l'œuf a éclos. Et ça veut dire. Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que du coup, il y a peut-être quelque chose qui se balade, voilà, dans l'aéroport. Qui peut être potentiellement posé par les monstres préhistoriques, donc potentiellement dangereux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une inspection de tout l'aéroport ensemble, voilà. Lieutenant Christian, tu vas nous chercher des armes, etc. On se retrouve ici d'ici 5 minutes, voilà, et on commence à une grosse fouille de l'aéroport. Vous êtes chaud? Ok. C'est bon pour tout le monde? Ouais, moi je suis chaud. Ok, vas-y, let's go. On se retrouve d'ici 5 minutes, les abonnés. Ok, c'est bon, le lieutenant Christian est de retour. Ok, stylé. Ok. Bon, bah, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Booba? Est-ce que je peux rejoindre Koba et Monsieur Valentin? Ah, tu veux nous laisser juste nous trois pour gérer la... Oui, comme si c'est ce que plus difficile. Bah, il fait trop de bêtises. Ok, bon écoute, vas-y, bon courage alors pour le combat. Et puis essaie de les rejoindre assez rapidement. Ça sent le petit karting. Essaie de les rejoindre assez rapidement quand même. Allez. Mais c'est quoi ça? Ah non, il est parti là-bas. Ok, c'était un peu bizarre, moi, Ok, j'ai peut-être que j'allais voir l'ophtalmo parce que je crois que je voyais des trucs un peu bizarres, ouais. Je crois que je suis pas le seul à devoir aller voir l'ophtalmo. Bon, bref, du coup, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que t'as toutes les armes, lieutenant Christian? J'ai tout ce qu'il faut, ouais. Ok, parfait. Bah, vas-y, du coup, lieutenant Christian, file-nous les armes qu'il nous faut. Ouais. En plus, on est plus que 3. Fusil à pompe. Ok, nice. Ah non, ça c'est un fusil sniper. Ça, c'est un fusil sniper. C'est juste. Ouais, mais il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Ok, vas-y. Ah ouais, ok, ça c'est un autre fusil sniper. Tiens, je t'en file un. Hop. Ah ouais, tu nous as ramené un arsenal de guerre. Waouh. T'as mis de la sulfateuse et tout. Ok, vénère. Ok, ça c'est vraiment du coup le fusil à pompe. Ok, ça c'est le fusil à pompe. Waouh. Ok, trop stylé. Et ça du coup, c'est le 22 long rifle. Ok, stylé. Ça, avec une lunette, c'est un vrai sniper. Bref, du coup... Des munitions. Vas-y, file-moi ça. Ok, nice. Ok, c'est parfait. Alors, c'est plus une arme de chasse qu'un sniper, mais c'est quand même très précis. Donc voilà, c'est quand même stylé. Bon, let's go, on va chercher ce qui a éclos. Je sais pas si ça se trouve, il y a rien qui a éclos en vrai de vrai. Mais on va quand même faire un petit check, voilà. On va checker un petit peu partout. Déjà, ce que je vous propose, où est-ce que vous voulez qu'on aille? Dehors, Dehors. Vas-y, go dehors. C'est la surface la plus vaste. Ok. Alors par contre, du coup, comment est-ce qu'on va sortir dehors? Je vais casser par là. Tu dois sortir, moi. Hop, bien organisé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Bah viens. Attends, ouais, j'organise juste mes armes. Ok, j'ai plein de munitions, c'est lourd. Eh mais là vraiment, je suis, c'est mafia quoi. Je suis full équipé, full arme. C'est un truc de fou. Bon, du coup, bah, on va inspecter un petit peu le tarmac. Si on voit quelque chose de loin, eh bien ça pourrait être intéressant. Là, on voit pas grand chose. Ok, là il y a le petit avion. Là-bas, il y a le hangar. Là, il y a un autre hangar. On va aller checker les hangars. On va aller checker les hangars. Mais pour l'instant, rien à signaler. Let's go. On va checker ce premier hangar. Ça, en vrai de vrai, les abonnés, c'est possible qu'il y ait rien du tout qui soit sorti de cet œuf, mais il se passe trop de trucs bizarres en ce moment chez nous. Du coup, voilà. Ça, c'est encore un perroquet. Oh, j'ai failli lui tirer dessus. Je suis un ouf. C'était un perroquet de Koba. J'espère que Koba ne verra jamais cette vidéo. Sinon, il va m'en vouloir toute sa vie. J'ai failli le buter. Attends. Ah non, j'ai cru entendre un bruit de gun. Je me suis dit, attends, ils l'ont vraiment fait, eux. C'est des ouf. Bon, du coup, pas grand chose à voir pour l'instant sur le tarmac. On va aller checker le deuxième hangar, les abonnés. Peut-être que c'est dans ce deuxième hangar là qu'on va trouver quelque chose. Je ne sais pas. Pas l'air d'avoir grand chose. On va checker vite fait. Là, ok, y'a rien. Au bout, on va aller checker quand même. Non, y'a rien. Bon, du coup, c'est la première zone. Après, le problème, c'est que ça peut être parti tellement loin. Je sais pas. On fait un petit check rapide, les abonnés. Mais il y a, je pense, 80% de chances qu'on trouve rien. Après, si cette vidéo est sortie, c'est peut-être possiblement que nous avons vu quelque chose. Mais voilà. Let's go. Ok, vous êtes toujours derrière. Ok, faut éviter qu'on s'éloigne un peu trop parce que. Moi, voilà, j'arrive en bouge à vous, moi. J'essaie de voir un petit peu partout où est-ce qu'il pourrait y avoir des choses. Mais pour l'instant, je vois absolument rien. Vous voyez quelque chose, vous? Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Parce que vraiment. Il y a rien du tout. Pour l'instant, il y a rien du tout. RAS. Je suis en train de checker un peu partout, mais il y a rien. RAF. Rien du tout à signaler. Alors peut-être que dans la tour de contrôle on pourra trouver quelque chose, je sais pas. En tout cas voilà, sur le tarmac, enfin sur la piste de décollage et d'atterrissage, Il y a vraiment rien. Donc voilà, pour l'instant y a pas grand chose pour s'inquiéter. Mais voilà, on sait jamais. En plus, je suis persuadé que c'est un petit coup des monstres préhistoriques. Donc voilà. Bon, alors, est-ce que... Ouais, persuadé. Persuadé. Oh, c'est encore un mot que je prononce mal. Hardcore. Bon, en tout cas, il y a pas grand chose à voir pour l'instant. Donc voilà. Vous voyez quelque chose, vous? C'est quoi ce son? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, what? Tirez. On dirait un mini Godzilla. Mais what the fuck? What? Mais non, attends, tirez dessus. Ok, j'essaie de mettre ma balle. Ok, ça a pas fonctionné. Ouah, wow, mais j'étais aveugle. Non, mais vraiment, faut que j'aille chez l'ophtalmo là. Je l'avais pas vu du tout. Et d'un coup, j'ai entendu respirer juste à côté de moi. What? Attendez, les participants qui est où là? Ok. Il est juste là, il est rentré dans le bâtiment. Ok. Venez. Je prends le fusil à pompe. Ok, je passe. On passe par l'arrière ou quoi? Restez. Est-ce qu'il y en a un qui reste à l'avant et qui nous tient au courant? Vas-y, maintenant, Christian, reste à l'avant. Nous, on passe par l'arrière. Vas-y, viens. Viens. Ok. C'est une sorte de mini Godzilla. Alors, par contre, vraiment, si c'est un mini Godzilla, ça veut dire qu'il vient de sortir de l'œuf. Ça veut dire qu'il est petit, ça veut dire qu'il peut potentiellement grandir. Waouh, je suis absolument pas rassuré parce qu'on peut trouver. Il est dans le bâtiment, je dirais même dans la cuisine. Qu'est-ce que tu racontes toi? Ok. Pas de trace du. Il est là. Ok. Je tire. Aïe, attends, tu m'as mis une balle. Ok, se barre. Oh, il va tellement vite. Fais gaffe. Ok, attention, je vais allumer la sulfateuse. Vas-y, bouge. Bouge. Sulfateuse. Je vais bombarder. Ok, ça a l'air de. Ok, je l'ai touché une fois, il se rebarre. Ok, je le bombarde. Ok. Wow, ça a l'air de lui faire rien du tout, Le père pas de vue, il est passé où? Mais il est passé où trop vite. Attends, c'est quoi ce délire? Il est passé où? Le temps, Christian, t'as rien vu? Moi j'ai rien vu du tout. What the fuck, les abonnés. Non. Oh, et 100% pour moi c'était Godzilla, mais qu'est-ce que fait Godzilla ici? Alors, c'est possible, hein, les monstres préhistoriques ressortent, ils arrivent, et là Godzilla ça correspondrait, hein, vraiment. Mais le problème c'est que là on a vu Godzilla qui vient juste d'éclore. Juste imaginez deux secondes, Godzilla après qu'il est éclos, voilà, qui grandit, etc. Là vraiment c'est ouais, hardcore. Ouais. En plus les balles avaient l'air de vraiment lui faire pas grand chose du tout, genre vraiment hardcore. Bah c'est Godzilla, je connais pas Godzilla. Bah si, justement, c'est une armure, enfin sa peau c'est des écailles, c'est vraiment très très solide. Mais c'est comme un dinosaure en moitié, tu vois. Donc, les tanks lui font rien et les bombes nucléaires, ça l'aide à survivre justement. Donc, je sais bien. C'est hardcore. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent Godzilla, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on va retourner à l'aéroport. On va se planquer à l'aéroport, je pense, même clairement. À toute vitesse. Parce que Godzilla, là, il nous a fui parce que voilà, on avait des armes, etc.
Le problème c'est que là j'ai très très peur pour nous, parce que même Godzilla là en bébé, genre Godzilla bébé, vraiment c'est bah même Godzilla bébé je pense qu'il peut nous terminer facilement. Regardez comment ça lui faisait rien les armes, quand on va se rendre compte que les armes voilà ça lui fait plus des chatouilles qu'autre chose, et ben il va vite comprendre que voilà il peut nous attaquer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se planquer dans l'aéroport. Voilà, on va clairement se planquer à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai voulu se faire ce petit jump. Bref, du coup les abonnés, on va se planquer à l'intérieur. Voilà, on se planque où à l'intérieur? On reste ici dans le métro, dans le métro. Dans le métro, ouais, dans le métro. Ok, on va aller checker dans le... En vrai, il faut quand même qu'on garde un visuel, tu vois, potentiel. On va rester par là pour l'instant. Tant que. Oh, non, en hauteur, c'est pas une bonne idée parce que s'il trouve le bâtiment, on est dans la mouise. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, viens, donc, viens, viens, on va descendre. Venez, venez, on descend. Un peu mieux. Attends, tu es où, Dago? Je descends, venez, venez, venez. Ah, t'es dans le métro? Ouais, viens, 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 viens. Ok, ok, c'est bon. Ah, moi, je suis par-dessus. Ok, hop, on va se réfugier dans le métro, les abonnés. Et dès que, eh bien, on entend quelque chose de bizarre, comme des pas énormes ou quoi, eh bien, on se retrouve, les abonnés. Mais là, vraiment, la situation est extrêmement tendue à l'aéroport. Nous avons potentiellement Godzilla qui vient d'éclore, en fait. Et c'est juste, bah, totalement hardcore. Vraiment, c'est vraiment très chaud. Bref, les abonnés, on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'étrange ou qu'on entend Godzilla arriver. Les abonnés, je vous reprends parce que, comme vous pouvez l'entendre, on entend des gros bruits de pas arriver vers l'aéroport. Mais voilà, on se retrouve seulement 6 heures plus tard. Donc, ça me paraît bizarre quand même que Godzilla ait grossi aussi rapidement. Je me demande ce qu'il peut faire autant de bruit. Oh là là, on entendait tellement des gros bruits de pas. En plus, je crois qu'il va bientôt commencer à faire nuit. Oh, regardez, la nuit arrive carrément, carrément, carrément. Ok, il fait nuit. Ok, 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 ok. On entend les bruits, ils sont de plus en plus imposants. Ok, ok. Vraiment, si c'est Godzilla, par contre, c'est vraiment la giga mouise. Hein. Ok, ok. Instant, je vois rien. Tu vois, tu vois? Oh, wow, il est juste ici. Il y a Godzilla. Les abonnés, il y a Godzilla. Oh là 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 là. On est sorti parce qu'on voulait vérifier. Il est juste ici, regardez-le. Attention, attention, il a un bazooka gigantesque. Ok, 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 ok. Ok, ok, là c'est vraiment la giga mouise. Ok, il est juste ici. Je vais aller voir de l'autre côté. Attendez, il est juste ici. Regardez-le. Il est juste là, les abonnés. Regardez-le, comment il est grand. Oh, mais what the fuck, c'est quoi ce délire? What? C'est quoi qui arrive là-bas? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Attends, tu vois, Il y a King Kong. Il y a King Kong qui arrive. Mais c'est quoi ce délire? Oh là 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 là. Non mais, what? Mais ils vont Mais, il y a une baston. Oh là 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 là. Ils sont tombés dans un trou. C'est quoi ce délire? Ils sont tombés dans un trou. Waouh waouh waouh. Ils sont en train de se battre. Ok, ils remontent Godzilla. Ils remontent Godzilla. C'est quoi ce délire? Il est en train de remonter. Ok, Godzilla est à la surface. Ok, ok. Regardez Godzilla. Waouh. Il y a King Kong qui est resté au fond du trou. Non, il arrive. What? Mais c'est quoi ce délire? Nous avons un combat entre eux. C'est l'un des combats les plus épiques que je n'ai jamais vu. Nous avons King Kong contre Godzilla. Regardez-moi Godzilla. Mais comment il a grandi aussi vite? Et King Kong qui arrive. Ok, 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 King Kong, il sort. Oh, décale-toi. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce délire, les abonnés? Là, c'est vraiment les monstres préhistoriques qui sortent vraiment. Pas de terre. Et là, c'est. Attention. Qu'est-ce qu'il fait, Godzilla? Ok. Il se retourne, ok, c'est parti. Le fight. Oh, l'octogone, c'est pas ici. Ouais, il coince. En fait, j'ai l'impression que King Kong, grâce à sa hache, il coince Godzilla. Il fait une sorte de. De grosses ondes, genre c'est. Est-ce que j'ai bazook? Il fait effondrer le sol. Non, on va éviter de les bazook. Enfin, de les bazooker. Je prends ton verre du coup. Non. Le temps, Christian, Jérôme, venez. Ils sont au fond du trou là. Attends. Ça se fight. Wow, il ressort. Allez, je porte mes balles. Venez. On retourne dans l'aéroport et on se barre par le métro. Il faut prévenir tout le monde. Ils arrivent vers nous. Jérôme, viens. Non. Ah, je les bazook. Ok, viens. Ok, essaie de nous rejoindre dans le métro. Ok. Il faut qu'on rejoigne le métro. Ok, on va passer par là. Ok, il faut qu'on prévienne toute la famille, etc. Que plus personne ne vienne à l'aéroport. Je suis là. Il y a Godzilla plus King Kong qui viennent en fait de pop. C'est insane ce qui vient de se passer. Ok, dites. Waouh, mais. Je suis choqué. Venez, on rentre dans le métro. Bon, les abonnés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler toute la famille. Il faut vraiment prévenir tout le monde là. Là, c'est vraiment très très chaud ce qui vient de se passer. Ok, on va passer par le métro. Il faut qu'on quitte l'aéroport au plus vite. Du coup, voilà, on va prévenir tout le monde. Tout le monde est là, c'est bon, tout le monde est sain et sauf. Ok, ça va. Ok, bon, les abonnés, c'est vraiment l'un des combats les plus épiques. Les monstres, waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Bref, les abonnés, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Ils étaient nombreux aujourd'hui et je vais essayer de tous les citer. Il y avait Com et DK. Il y avait d'ailleurs maintenant ils ont deux chaînes différentes. Il y avait Lieutenant Christian. Il y avait Sleezer, Direct Play. J'ai oublié qui là.
Spartax, 3, 2, 1. Il y avait aussi Spartax, donc un grand merci à eux tous de m'avoir. Il y avait, ouais, voilà, il y avait, je crois que c'était tout le monde. Du coup, un grand merci à eux tous de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Ça fait super plaisir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir la suite dans le prochain épisode. Et puis voilà, allez, bientôt, mon pote, je vous aime et à très très vite.